capable de faire ton introduction, mais en russe. Google Trad. Damn, les gens. C'est Thibaut en chape. In chape, является Thibaut. Et это приятно поговорить с вами сегодня. C'est encore plus compliqué que tout à l'heure. In chape, il est n'est-ce-là. Impeccable. Bilingue. Damn, les gens. J'espère que vous allez bien. C'est Thibaut et j'ai fait 7 ans. Plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, on est de retour encore plus fort, encore plus veineux, encore plus congestionné que jamais. Donc préparez vos strilles et vos veines du bibi, on va répondre à toutes vos questions. Que pensez-vous de la crise économique du Venezuela due au chameau du centre du Honduras? Je pense que si plus de petites faisaient du squat, il y aurait moins de guerre dans le monde. Damn, le 7-8 novembre, on pourra te voir à Paris? Oui, je serai à Paris pour la Video City tout le week-end. Bon, par contre, juste, j'ai demandé à avoir un stand assez large car je pense que vous serez les plus solides du salon. Et juste entre nous, c'est bon, je me suis arrangé avec les organisateurs qu'il y aurait effectivement du ridin à la cantine. Mais gardez ça pour vous. Quelle est ta taille de soutien-gorge? Il n'existe qu'un seul moyen de le savoir. Excusez-moi, j'ai une question. C'est un peu bizarre comme question. Vous pensez que je fais combien en taille de bonnet? C'est combien? Ma gueule. Non, sincèrement, vous pensez à peu près... Combien tu fais de bonnet? Ouais. Bah, écoute, il n'y a pas moyen pour mesurer ou... Non, on ne mesure pas, c'est à l'œil. C'est vrai? Ouais. Combien vous pensez? Tu fais un bon 110B, toi. Excusez-moi, j'ai une question. Oui, bien sûr. C'est un peu bizarre, mais vous pensez que je fais combien en bonnet? Ça m'étonne. Parce que je suis ici, en fait, et je me pose la question. C'est une question un peu bizarre. Combien vous pensez? 110? 100... Vous avez pas un truc pour mesurer? T'as un mètre? Ah, voilà, c'est pas évident. À part prendre le mannequin. Non, ça va. Ah quand même un peu plus, vous avez plus de pecs. Hein. Beaucoup plus. Ouais. Merci. Comme ça là. 100B. 100B. Ouais, 100B, moi je suis parti. 100B. Ouais. Pourquoi tu ne te présentes pas aux élections présidentielles? Non, franchement, la politique, c'est pas trop mon truc et... Moi, président, je ferai du lundi, jour des pecs, jour férié. Moi, président, je m'engage à faire plus de 200 000 temples en 2017. Chaque lieu public disposera d'un distributeur de whey. Moi, président, je ferai du squat, matière obligatoire pour le bac. Et en ce jour, je déclare officiellement le port de la veine sur le biceps obligatoire. L'entraînement, c'est maintenant. Merci. Pourquoi pas en fait? Quel est ton type de film ou série? Alors, il y a les 5 saisons de la série Way of Thrones, Anger Vein aussi bien sûr, 50 Shades of Way, un classique, et mon petit préféré à moi, qui reste quand même Astérix Obélix Mission Cléo Squat. Et vous, donnez-moi vos séries et vos films préférés en commentaire. Fais un plat de piscine avec ton dos, qu'on voit l'énorme tsunami. Damn Thibaut, c'est quoi tes max au délevé couché, squat et soulevé de terre? Ok les gens, c'est parti, on va voir ce qu'on a dans le dos. Juste, je vous préviens de suite que la dernière fois que j'ai utilisé la force, c'est dans Pokémon pour pousser un rocher dans une grotte. Donc je vous promets rien, mais je vais tout donner. C'est qui champion? C'est moi! C'est qui champion? C'est moi! C'est ton champion! Allez, allez Thibaut! Allez! Allez, allez Viking! Allez! On dit merci qui Thibaut? Merci, merci Michel. C'est bon, c'est tout champion. Allez, 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 pousse. C'est bon ça. Quelle serait ta réaction si Caro arrête le squat? Arrêter le squat? Oh.
jeter mon t-shirt. Merde. Que dirais-tu à quelqu'un qui veut abandonner la muscu? Je lui dirais tout simplement que... qu'il n'a pas le droit d'abandonner. Qu'il doit se fixer des objectifs et tout faire tant qu'il ne les a pas atteints. Et le jour où il y arrive, qu'il s'en fixe encore des plus hauts. Le plus important pour rester motivé, c'est d'aimer ce que vous faites. Bien sûr que les premiers jours où vous allez commencer le sport vont être compliqués. Vous aurez des combattants de l'espace, vous serez exténué jusqu'au jour où vous aurez le coup de foudre. Et vous allez tellement aimer en chier que ça va devenir comme une drogue pour vous et votre corps va vous réclamer de vous entraîner. Dites-vous que quand vous arrivez au temple, allez-y dans l'objectif de vous dépasser, de tout donner, vous êtes là pour ça. Ne faites pas machinalement les mouvements sans aucun but. Apprenez à connaître quel muscle va travailler, comment le solliciter. Et surtout, dites-vous que si vous faites de la muscu, c'est pour vous et seulement vous. Vous n'avez rien à prouver aux autres, alors trouvez-vous une réelle motivation. Et non, celle de s'entraîner juste pour soulever des petites sur la plage l'été, n'en est pas vraiment une. Chiche de réussir ton omelette du matin sans la casser en 10 morceaux. Challenge accepted. Je me suis entraîné dur, cette fois-ci, c'est la bonne. Pour l'honneur de mon village qui a toujours cru en moi. Je vais le faire, je peux le faire, je dois le faire. Je ne peux décevoir ma famille une deuxième fois. Je vais y arriver, je peux y arriver, je dois y arriver. Et voilà les gens, pensez à exploser les pouces bleus avec votre dos énorme en bas de la vidéo, à vous abonner, vous êtes sur des réductions pour les compléments alimentaires, les liens sont dans la description, et surtout, n'oubliez pas que vous, êtes les meilleurs. Boum ! Les orteils légèrement vers l'extérieur. Descendez doucement le plus bas possible en gardant toujours une position propre, hanche droite, dos solide, pec bombé, fier comme un coq.